frères humains qui après nous vivaient. N'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avait, Dieu en aura plutôt de vous. Merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6, quand de la chair que trop avons nourrie, et les pieds saints dévorés et pourris, et nous les os devenons cendre et poudre. De notre mal, personne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absous. Lorsque j'ai senti les roues de la charrette cesser de rouler, j'ai immédiatement compris qu'il ne me restait plus que quelques minutes à vivre. Nous étions arrivés au château, et je le savais, car je pouvais sentir à nouveau cette infernale odeur de Saganis qui empestait la place. Je peux vous dire qu'elle ne m'avait pas manqué. Avec horreur, j'entendais une foule hystérique de villageois m'insulter, de traîtres, de racailles, de mécréants, et parfois tenter de me jeter des pierres sur la figure. Je ne pouvais les apercevoir car l'on m'avait bandé les yeux. Mais croyez-moi, je n'en sentais pas moins toute la haine et leur mépris à mon égard. Des gens du peuple, pour qui je m'étais pourtant battu. Traîné sauvagement jusqu'aux portes du château par les deux gardes de Clavius, je m'y sens plus que jamais humilié. Je ne souhaite ça à personne. Hélas, Clavius a bien réussi son coup. Il a fait de moi l'ennemi numéro 1 de la Narconie. Celui dont tout le monde voulait se débarrasser, et le peuple a préféré l'écouter. C'est ici que je me trouve à l'instant, dans le noir, entouré de ces quatre murs, enchaîné derrière ces barreaux dans une cellule trop petite et sans fenêtre, et dans laquelle je ne peux même pas me tenir debout. Ici, nous avons beau crier, pleurer ou prier, nul ne peut nous entendre depuis ces sombres escaliers qui nous séparent de bien 100 mètres de profondeur avec la civilisation. D'ailleurs, il y fait très froid et je n'ai rien, absolument rien pour couvrir mes doigts glacés et la chair de poule de mes bras. J'ai aussi très faim et je dois me contenter d'un morceau de pain rassis avec du vin trop acide en guise de repas que si je ne mange pas, les rats le feront à ma place. Cela fait 4 heures que je dois supporter le bruit des autres prisonniers qui semblent avoir été gagnés par la folie. Des cris stridents qui font froid dans le dos. Des grattements sur les portes qui ne sont pas sans rappeler le bruit d'individus possédés par la bête. Des sanglots et des prières désespérées avec des voix tremblantes qui semblent emprisonner en elles toutes les pires détresses du monde en ce seul lieu. Certains détenus sont tellement torturés mentalement qu'ils se cognent volontairement la tête très fort contre le mur, tout en récitant sans cesse le même passage du Quintus Terra Lumina, le livre sacré du Choux. Autant vous dire que cet endroit ne me rassure guère, il me glace le sang. De plus, je ne connais toujours pas ma sentence, bien que je suppose que l'on me fera sacrifier ou périr ici comme les autres. Vais-je devenir fou moi aussi? Vais-je devenir comme eux? Comment ai-je pu en arriver là, moi qui n'étais qu'un simple pèlerin à la base? J'ai pour habitude d'être optimiste. Lorsque je croise un obstacle sur mon chemin et que je me retrouve coincé dans une situation inconfortable, je me dis que je trouverai bien une solution avant la tombée de la nuit et essaye déjà de m'imaginer dans les prochaines heures, libre, marchant au milieu d'un paysage magnifique en me disant que le passé n'appartient qu'au passé. Or ici, je n'y arrive guère. Je réalise ce que c'est d'être condamné et de ne pas avoir le choix. Et cette image qui jadis m'aidait tant à garder foi et confiance en la vie n'est plus qu'une simple image. Désormais, tout ce que je peux vous dire, c'est que Dieu en aura pitié de nous. Quand tout à coup je crois apercevoir derrière ces barreaux la modeste lumière d'une bougie qui n'éclaire rien d'autre que sa propre cire.
J'ignore pourquoi, mais j'ai l'intuition que l'homme qui se trouve derrière cette bougie est Yoel, le vieillard avec qui je travaillais à la Chambre Jaune et qui avait disparu du jour au lendemain. Je suis dans l'incompréhension totale. Cet homme ne m'avait jamais adressé la parole et avait disparu depuis plus de 3 ans. Jusqu'ici, je le croyais muet, jusqu'à ce que je l'entende prononcer ces quelques mots. « Antoine de Troyes, nous nous sommes déjà vus !» dit Yoel. « Oui, à l'auberge ?»« Non » rétorque-t-il tout à coup. « C'était il y a bien plus longtemps. » Je le regarde d'un air confus, ne voyant pas où est-ce qu'il veut en venir. « Quel âge avez-vous, monsieur de Troyes ?» me demande Yoel. « J'ai 27 ans. »« J'ai une fille qui a le même âge que vous. Elle travaille à la Chambre Rouge. Elle ne sait pas que je suis son père. » D'un air désolé, je ne sais pas quoi dire. « Est-elle née ici ?» Oui, je me souviens de sa naissance. Me répond Yoel avant de me dire une chose qui me donnera la chair de poule. Mais à vrai dire, je me souviens surtout de la vôtre. Je vous demande pardon ? Lui dis-je d'un air méfiant. Monsieur de Troyes, avez-vous déjà entendu parler de la légende du seigneur Gauthier de Joigny ? Ma foi, non. Qui était-ce ? Après un soupir, cherchant un instant par où commencer, Yoel se prépare à une longue réponse. Autrefois, la Narconie n'était qu'un petit hameau entouré de bois, de forêts, mais surtout de bandits et de voirloups qui semaient la terreur dans le village. Une fillette en détresse était revenue en courant vers le château, criant que son père et sa mère venaient de se faire dévorer par les voirloups. À cette époque, j'étais le chef de la milice, et je m'apprêtais à donner l'ordre de défendre le village à mes hommes. Mais le seigneur Gauthier de Joigny, courageux, ou complètement fou, mais courageux tout de même, m'ordonna de ne pas attaquer, mais de rassurer la population, avant de prendre son armure, son bouclier, son épée, et de partir au loin combattre seul l'ennemi. Hélas, quelques heures plus tard, vers Delay, le chef des voirloups entra dans le village avec ses troupes, en tenant dans sa main la tête coupée du seigneur. Avant qu'il ne se livre au pillage, j'ordonnais à mes hommes de repousser la menace. Seulement, il était trop tard. Plus personne ne m'obéissait. Un autre homme, ivre d'orgueil, avait en cachette conspiré afin de prendre le pouvoir. Il s'appelait Clavius Sartor. Intéressant. C'est qu'il faut en avoir du courage pour être un Gauthier de Joigny. Mais avait-il des héritiers ? Et si oui, pourquoi ont-ils laissé Clavius prendre le pouvoir ? Lui dis-je. Justement, monsieur de Troyes, justement ! Le seigneur Gauthier de Joigny avait une sœur, Marie, qui était mariée à un seigneur déchu venu de Forturis, Hugon de Troyes, qu'il s'appelait. Monsieur Yoel, êtes-vous en train de me dire que vous avez connu mes parents ? Absolument. Je veux tout savoir. Monsieur de Troyes, si vous voulez tout savoir, il vous faudra me faire une promesse. Je vous écoute. Promettez-moi de rester en vie. Mais enfin, monsieur Yoel, vous le savez très bien, je suis condamné à mort. Si vous le dites, c'est vraiment ce qu'il va se passer. D'accord, d'accord, très bien. Je vous promets de rester en vie. Maintenant, je vous écoute. J'espère que vous tiendrez votre promesse. Oui, monsieur de Troyes, j'ai connu votre mère. C'est elle qui devait succéder au seigneur Gauthier de Joigny. Seulement, sa santé était fragile, alors Clavius en a profité pour la corrompre. Il lui a fait la promesse que l'enfant qu'elle portait deviendrait à sa mort l'élu de la secte, le premier enfant offert à Clavius, l'enfant numéro 1. Votre mère y croyait dur comme fer à ce pacte, et lorsque l'enfant sortit de son ventre, un grand rituel fut organisé dans la chambre noire. L'élu de la secte était né. Seulement, du jour au lendemain, cet enfant a disparu. Nous avons appris plus tard qu'Hugon de Troyes avait enlevé l'enfant et sa mère contre sa volonté pour déserter la secte et retourner à Forturis, loin de Clavius, loin des sacrifices et des camps de travaux forcés. Hélas, j'ai appris il n'y a guère longtemps que votre mère, ravagée par la superstition et la saganisme, s'était donné la mort en se jetant dans leur cure. Mais l'enfant, lui, a survécu, et 27 ans plus tard, il est là, devant moi. Terminant sa réponse, Yoel éteint sa bougie avant de disparaître petit à petit dans l'obscurité. Attendez, monsieur Yoel, j'ai une dernière question à vous poser, lui dis-je. Quelle sensation ça fait de mourir ? Absolument rien, dit-il avant de disparaître pour de bon.
De nouveau seul, me voilà troublé, plus que jamais, car il s'agit d'un lourd secret que l'on ne m'avait jamais révélé jusqu'à présent. Je ne connaissais rien du passé de mon père, il n'en parlait jamais. Néanmoins, j'étais très loin d'imaginer que lui aussi avait fait partie de la secte, et j'ignorais que ma mère était la sœur d'un seigneur anarconien. J'ignorais davantage que l'élu, c'était moi. Soudain, deux gardes ouvrent brutalement la porte de ma cellule. « Toi, tu vas venir avec nous !» me crie l'un d'eux. « Allez, plus vite que ça !» ajoute-t-il. J'avance alors avant de franchir la porte. Un pas, deux pas, en direction de la terrible chambre noire, où l'on tue sauvagement toute personne ayant eu le malheur de se mettre Clavius à dos. Des rebelles marginaux aux pauvres infirmes, mais surtout innocents, qui ont préféré être des hommes plutôt que des esclaves, qui ont préféré la résistance à la soumission. Je regarde une dernière fois la bougie de Yoel, dont l'étincelle disparaît petit à petit de mon champ de vision, tout en laissant une fine fumée grisâtre s'échapper. Alors c'est ainsi que se termine ma vie. À vrai dire, c'est étrange, j'ai comme l'impression que ce n'est pas grave. C'est comme si au fond, j'avais fini par accepter de mourir. Est-il vraiment si horrible, ce sacrifice qui m'attend derrière cette porte ? Si d'autres sont passés par là, alors je peux l'affronter à mon tour.